Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour créer au niveau de votre modem deux points d'accès. J'explique. Par exemple, vous avez un Wi-Fi. Normalement, il va venir juste avec un nom, par exemple un Wi-Fi, par exemple qui va s'appeler Family. Mais vous pouvez créer un autre pour, par exemple, les visiteurs. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Sans plus tarder, let's go les gars. Voilà, maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simple, on va ouvrir notre navigateur, taper l'adresse 192.168.1.1. Voilà, maintenant là, comme d'habitude, on va cliquer ici, à ce niveau. Maintenant là, il va vous demander le mot de passe. Le mot de passe, c'est une étiquette qui se trouve au niveau de votre boîte. Voilà, n'hésitez pas à le checker, à le voir. Sinon, si vous avez déjà modifié le mot de passe, vous mettez le mot de passe actuel ici à ce niveau. Je fais OK. Voilà, il me demande de changer le mot de passe, ce que je ne souhaite pas, je fais annuler. Voilà, maintenant là, vous allez cliquer au niveau de réglage, Wi-Fi, standard ici à ce niveau. Maintenant là, vous allez et activer ces deux points-là, c'est-à-dire le Wi-Fi 2 GHz guest et le Wi-Fi 5 GHz guest. Voilà, maintenant là, par exemple, je vais l'activer et à ce niveau, je vais faire, par exemple, je vais faire visiteur, voilà, visiteur. Maintenant, comme mot de passe, orange 1, 2, 3, c'est bon. Maintenant, le deuxième se trouve en bas, le guest, voilà, le deuxième, c'est le guest qui est là, en bas. Aussi, le mot de passe, le nom du Wi-Fi, je vais le changer en visiteur. Et le mot de passe, c'est orange 1, 2, 3. Maintenant, vous pouvez le changer. Hein? Voilà, rien de nouveau. J'empêche de changer le mot de passe. Par exemple, là, vous pouvez changer le mot de passe et faire, par exemple, visiteur, si vous voulez. Voilà, visiteur. Et là aussi, le mot de passe. C'est ici, ne vous trompez pas, il faut vérifier s'il s'agit du guest. Voilà. Maintenant, le deuxième aussi, vous le changez. Par exemple, visiteur, si vous voulez. Voilà. Maintenant, là, une fois les deux modifications effectuées, vous cliquez sur appliquer. Maintenant, une fois que vous cliquez sur appliquer, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allumez votre Wi-Fi, vous allez voir deux Wi-Fi qui vont s'afficher. Un Wi-Fi qui va s'appeler famille. Et un second qui va s'appeler visiteur avec leur mot de passe respectif. Voilà, c'est hyper simple. Et là, ça va permettre, s'il y a plus de visiteurs, de venir directement éteindre votre Wi-Fi visiteur et le tour est joué. Tout le monde est content, les gars. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci.